Lors de son intérim à la présentation de l'heure des pros sur CNews, Elliot Deval a consacré son édito à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Deux tableaux de cette cérémonie ont suscité la polémique. L'animateur s'est montré heurté par les propos du ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-ci avait déclaré que la France célèbre la liberté sexuelle, religieuse, de se moquer et de caricature. Elliot Deval a réagi en critiquant l'utilisation du terme « grincheux » pour ceux qui ont été choqués par certains aspects de la cérémonie. Bruno Jeudy, dans son édito de la Tribune du Dimanche, a qualifié de pisse-froid les détracteurs de la cérémonie d'ouverture. Elliot Deval a répondu en soulignant que le sacré ne se limite pas à la religion et peut être trouvé dans des tableaux, des chansons, des poèmes ou des livres. Martin Garagnon, quant à lui, a exprimé son désaccord avec l'édito en défendant la liberté d'irrespect et d'irrévérence en France. En somme, l'édito d'Elliot Deval a suscité des débats passionnés autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.